Mon cher, hein, avoir la main dans l'huile et tout, ça me dérange pas dans le moteur. Ça me dérange pas. Objectivement, tu vois, petit chef d'équipe, je gère les mécanos. Je fais en fonction que la boîte marche bien pour que le patron soit content, quoi. Eh ben alors, je veux voir ses preuves. Ouais, je suis capable. Et dès maintenant, directement. Comment ça, frère? Ok, c'est un beau GTI, ça. Normalement, on a les pièces. Vous voulez faire quoi dessus, maintenant? Bah déjà, je vais teinter les vitres si possible. Teinter les vitres, allez, va. Faut poncer la voiture avant, sors là. Mais pas besoin de poncer, fais juste les vitres. C'est un petit de mon quartier, ça. Ah ouais? Ouais. Et vous embrouillez pas, hein. Vous prenez pas la tête, on est venu. T'inquiète. Chill. Quoi? On est venu chill, hein. Vous prenez pas la tête avec eux. Ouais. Ouais, ça va quoi, l'hermano? Ouais. Ouais, bien. Ouais, bien tranquille. C'est ici, la soirée là. Ouais, bien quoi. Faut croire, hein. Ah, c'est pas vous qui. Faut croire, c'est là. Non, c'est pas nous, je crois. C'est eux là-bas, je crois. Non, c'est pas nous, non. Il y a du niveau là, au niveau rap. Ouais, mais tu vas voir, quand le son il va sortir, ça va. Non, là, nous, le rappeur là, il est au studio, il va sortir un son bientôt. Attends, c'est comment, il y a Moji là? Ouais, mon gars, bien. Il sort une fois tous les 8 ans du studio, mat. Et c'est Bill le monde. On est combien dans le serveur, frère? Ouais, mon gars. Attends, va tranquille. Ça va, ouais, on est 200 joueurs, frère. Oh, on est 200 joueurs. Oh, le serveur, il va péter. Ferme l'enflure. Ouais, pourquoi tu t'isoles? Non, je regarde. Il y a trop de monde. je me sens pas bien, il y a trop de monde. La vie de ma mère, il s'est pas rappé, c'était nul. Et moi, que je vais les saucer, c'est nul que je vais les saucer. Bah ouais, parce que j'ai capté. Tu fais partie du staff? Ouais, t'as vu? Motocross, tout ça, le staff motocross. J'ai travaillé vite fait pour eux. Vas-y, propre, mano. Frère, y'a trop de monde, frère. T'es ma attente, honte. Y'a du monde. Oh, ouais, mais c'est quoi là? C'est la bagarre? Je sais pas, moi, mais. Imagine ça part en couille. Eh ouais. Attends, j'ai une batte, moi. J'ai rien, sa grand-mère. Les yeux cachés. J'en ai une. Il prépare là, on sait jamais ça pète. Bah, tu connais, c'est préparé, ça y est. Eh bien, on va saucer les rappeurs, même si c'est plus, on dit, oh, t'es un fou. Vas-y. T'as des soirées. C'est chez qui là, il y a une qui m'ouvre. Ouais, c'est clair. Bah, vous les mauvais culs, mais faites bien pile. Ouais, y'a tout le monde qui part. Putain, c'est quoi cette. Non, un peu une ambiance chelou. J'aime pas si je parle. Ça m'a volé mon 4x4. C'est quoi cette soirée? Vas-y, je vole celle-là, vas-y, montez. Celle que je lui ai volée, elle est incroyable. Eh, vas-y, Jake, monte, je l'ai volée, monte. Celle que j'ai volée, elle est incroyable, frère. Attends, il faut comment je retrouve la route maintenant? J'ai pas suivi pourquoi tout le monde part. Bah, parce que y a trop de monde dans la soirée, ça bug trop, frère. En fait, il faut savoir que sur 5M et GTA. Il n'est pas censé avoir autant de personnes au même endroit. C'est pas lié à la map, c'est pas lié au serveur. C'est sur tous les serveurs, tu ne peux pas avoir autant de monde au même endroit, c'est pas possible. Ah, j'ai rien de dev là. Incroyable le dev pour les pompiers. Pas de mapping. Coucou yo Dimax. Dimax, t'as vu? Ouais, l'afro.
Mais je regarde, frère. Des cafards. Attends, mais il a dit un latino, Bruto, c'est ça, je capte pas. Latino, si je m'en rends. Tu as battu, ça commence. Oh, ça meurt. Tu vois, elle est morte la soirée. Putain, mais ça... Oh, monte, 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 hermano. Oh, carré. Il est parti, il est parti. Toi. Ouais. Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre. Ouais, que bazar, hermano. Ouais, viens, 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 deux minutes, viens. Que tu parles? Mais non, viens, 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 deux minutes, descends, descends. Ouais, non, j'ai pas envie, hermano, mais pourquoi? T'inquiète, t'inquiète. Tu vois comment je suis habillé, je vais t'arracher ton sac Gucci. Vas-y, viens, vas-y, ben monte, monte, vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Hé, hey. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oui, y'a quoi là? Oui, y'a quoi? Non, hé, tranquille, oh, tranquille, y'a rien. Pourquoi je te sens des... Je sais pas, hermano. Non, la pile ma mère, y'a rien. Viens, 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 on va monter. Je vais quoi encore? Prêt à partir. Laisse la voiture, va. T'inquiète. Attends la voiture, toi, ta mère. Tu cours par tapis ou quoi? Eh, vas-y, les gars, vas-y, partez, partez. Eh, je vais me faire mêler. Tu vois pourquoi? Je sais même pas ce qu'est le groupe là. Ou j'ai fait quoi? Vous avez pas compris. Arrêtez de me suivre là. Oh, nous? Non, ta mère la pute. Bah. Oui, y'a qui arrive là? Ouais. Oh, y'a les failles, vous, y'a les failles, vous, y'a les failles, vous, je me taille. Bonjour. Ouais, je fais genre, je prends. Mais non, t'inquiète. Ouais, Oruola. J'ai mis qui en quoi, Erazo? Ça va quoi, c'est qui là? Tu voudrais pas venir chez toi là? On t'attend. Tu es chez moi? Pourquoi tu m'attends? Ouais, on va parler, on va parler. Vas-y, j'arrive. Vas-y, viens. Oh non, c'est la merde. Vas-y, Hermano, viens. Non, non, je t'ai fait arnaquer. Ça a de la valeur sentimentale. Alors, pour moi, tu comprends vas-y, pas. Vas-y, comment on bloque ça, dis-moi. Attends, d'abord, j'allume le PC portable. Vas-y. Du coup, tu m'as dit, c'est qui le rappeur, là? Chez toi? C'est Manny, Manny. C'est le mec avec le bonnet là-bas. Ah mais Manny, c'est bon, j'ai pris son numéro en plus. C'est moi, Manny. Ok, Manny. Ah, c'est toi, Manny. Ok, Manny. Ah, pourquoi vous avez je te parle, la mon gars, Manny. Non, non, je vais en gros, je gère bien la bécane, tu captes. Et en gros, je peux me faire payer pour passer dans des clips, tu vois. Ah ouais, lourd. Il a raison, hein. C'est chaud, hein. Ah, t'es un cabreur. Exactement. Cabreur du web. Tu prends combien de l'heure? De l'heure? Franchement, un petit 500, hein, banal, hein. C'est pas trop cher. 500, hein. Ok, ok. Ça va. Ça marche, c'est terrible. Ah, dis-moi si j'ai pas faire du vélo. Ah, tu peux nous faire une démo ou pas? Non, moi je suis plus sur des crosses. Hein. J'ai une démo. Bah, on voit une crosse. On voit une crosse. Ah, on a pas de crosse. On a les motos là. Dommage, dommage. Les motos, t'as pas un pilote de bon calibre. Ça, c'est plus pour la vitesse. Ça. Tu capes, moi c'est plus les crosses et tout, tu vois. Il a qui le vélo là-bas? Le vélo, il a dit. Le vélo. Je sais pas, tu peux le prendre. Vas-y, prends-le, prends-le, y'a rien. Ok, Manny. Tu penses que t'as besoin d'un cabreur, je suis là, c'est très bien. Bah vas-y, carré. Kid Mood, je suis là, toujours là. On tient les murs. Tu t'appelles comment? Tixi. Tixi? Ok, ouais, carré ouais. Tixi. C'est noté, Tixi le cabreur. Je suis en train de pirater le num là. Scam. C'est comme ça tu le pirates. Et bien sûr, maman. Mais je veux pas avoir les twills chez moi. Mais non, t'inquiète. T'es sûr, c'est bon, c'est sécure. Bien sûr, je la remets, le numéro de série, je remets, t'inquiète. Scam. Il a déjà piraté la NASA, lui. Toi, tu mens, toi. Le futur, c'est l'informatique. J'aime pas. Ah, mais chaud, les photos hein. Qu'on leak, là, des scam, ovnis, c'est scam. Lui. Carrément, je m'assois. Pourquoi tu t'assois? Parce que j'ai envie de m'asseoir. Bon argument. Eh, c'est pas un clean savou, ça, là-bas? Vos sacoches, là? Ah ouais, potentiel. Ils sont pas vifs. Ils sont pas à l'affût. Là, ils courent carrément. C'est trop à l'affût. C'est Thiago. C'est pas elle. Ah, c'est Thiago. Il lève le vélo, lui. Oh, c'est un bon. Et à ce qu'il paraît, il y a des gens dans notre bloc, des afros. C'est bon, veux que tu veux. Non, que on fait ça et on va voir ce qu'il veut. Juste, je termine la carte SIM du Hermano. Vous habitez où, là? Ah, t'inquiète, Hermano. Je peux pas dire. Ah ouais, carrément, c'est secret. Vas-y, ouais, tranquille. Attends, je suis dans les cartes de SIM là.
Et vous lui avez cassé sa gueule. En gros, vous lui avez pété la gueule et moi j'étais avec lui. Sauf qu'il y a des mecs de chez vous qui m'ont touché. Ça va, c'est dommage collatéral. C'est bon, viens. C'est bon, pire à terre, Manon, viens. Ah ouais. T'es toujours vivant, t'as rien eu. T'as pas ouais, eu de couteau dans le ventre. Non. C'est que des coups de poing. Ouais, ils m'ont pas trop touché, ça va. Ça va, c'est bon. Tu vois, un petit PC portable à ce moment, tu vas. Attends, viens, on se passe sur la poubelle, viens. Tu connais, toi, des fois, quand tu vois, tu vas moulonner un mec. Ouais, Hermano, ouais. Razo, tu crois que je suis ta chienne ou c'est comment là? Tu me fais attendre. Dépêche-toi là, viens. Attends, il nique ta mère. Comment ça? Eh, viens. Je te dis quoi, Hermano? Je suis en train de faire un truc, tu me dis, je suis dans ton quartier, j'arrive. Je m'en bats les couilles, viens. Vas-y, oh. J'arrive là. Je sais pas ce qu'il me. Oh, les gars. Ouais. Oh, Derek. Ouais. Va chercher le DQ à Central Park. Vas-y, tiens, vas-y. Regarde. Vas-y. Là, vas-y. Tu prends ton télé, ouais. Hop. Tu veux que je le branche là? Ouais, tu le branches sur le PC portable. Vas-y. Hop. Et en même temps que tu le branches, t'appuies sur F10 sur le PC portable là. Vas-y. Vas-y, bah après tu suis ce qui est écrit sur l'écran. Vas-y. Ouais, c'est bon, carré, hein. Vas-y, mais carré, Hermano. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, nickel, vas-y, parfait. Hein. C'est bon, normalement, j'ai fait une manip, ça a gardé tous tes contacts, bénef. Attends, je vais checker ça. Ouais, nickel, vas-y, bien vu, mon gars. Vas-y, propre. Vas-y, Hermano, force. Vas-y, force à toi, mon gars. Vas-y, les afros. Ouais, j'aime bien ça. Vas-y, manip, viens, viens. Eh, vas-y, les afros, on doit les baiser des merdes là chez nous, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ça va chez nous, ça se pose. Et les anomés des coups de presse, c'est des baisers. Ils sont 50, les afros, là, c'est ma mère. Et... La chance il est chez lui. Attention. Vas-y hein. Vite ma mère, je lui ai niqué sa mère. Bah vas-y au bloc vite. Mais là, passe par là pour que soit. Tu suis là, c'est pas grave, monte. Monte juste là. T'as même pas besoin d'un GPS, tu suis là. Là tu montes. Ah ouais tu... mais on connaît pas. Moi non plus Hermano. Et une heure je suis revenu. À contresens, ils font quoi eux? C'est toi t'as tiré, Razo? Eh oh Lola! C'est toi t'as tiré? Tiré où? Mais c'est qui là au téléphone? En fait, je comprends même pas c'est qui. C'est moi, la casquette! Ah non, personne n'a tiré là, on est en train de rouler là! Mais tu veux pas venir à Poncho Street là? On a une petite discussion! Oui, mais on arrive! Je roule vers Poncho Street, littéralement! Mais fais vite! Bâtard, va t'es à Brooklyn ou c'est comment? Comment ça, bâtard? Oh, je vais venir, je vais t'écraser la tête, je suis là! Eh, écoute-moi bien, Erazo! T'es où? Je suis là, dans deux secondes, je suis là! Mais j'avais peur de toi ou c'est comment, Erazo? Je vais te renvoyer au Mexique, moi, tu vas voir, sale bâtard! Je suis salvadorien, espèce de merde! Je m'en bats les couilles, sale blédard, va, vous êtes tous les J'arrive, tu verras! Blédard, vas-y, viens! Tu verras l'afro, j'arrive là! Et que l'afro? Et il me dit, je vais te renvoyer au Mexique, à gauche là, et après à droite! Ah, bon! Ça va quoi avec elle? Il me dit, tu crois que j'ai peur de toi? Chez moi, il me dit, tu crois que j'ai peur de toi? Ah, il est mature là? Vas-y, arrête-toi là, on descend, banal, on marche. On va arriver, on marche. Je revois où, genre? En mode, tu veux. Fais-le! Il y a 15 ans, Mino. Après, il faut savoir que 16, 17, 18, 19, 20, ça fait partie du lore. Ouais. Et voilà. C'était baisé. Ouais. Wow. Ah, ils sont venus, ils se passent dans notre bol. Ouais. Les afros là, ouais. Ils sont où les noirs là? Comment ça, ils sont où les noirs? Qu'est-ce qu'il a sur le crâne? Ils sont où les noirs? Gros crâne avec tes lunettes. Erazo. Ça va ou quoi le rasoir? Ça va, mais là, vous faites quoi là? Bah là, tu connais, on est chez nous, hein. Comme ça, t'es chez toi? Je crois pas, non. Eh, hey, écoute-moi bien, le rasoir. Tout à l'heure, là, on s'est vu à Bedfield, à Harlem. Moi, je t'ai demandé ma casquette, tu vois, gentiment. Moi, je veux juste reprendre ma casquette. Vas-y, je vais la chercher, ta casquette. Maintenant, toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as frappé et tu m'as dit
Qu'est-ce comme tu la dire, dernière fois, tu m'as dit viens la chercher ta casquette. Du coup bah je suis venu. Ah mais viens pas dans mon bloc, t'as mets-toi à l'entrée, je vais arriver. Hein? La prochaine fois mets-toi au carrois, je vais arriver. Là t'assois sur les bancs, tu cries devant tout le monde, t'es chez toi. Et c'est un quartier latino ici. Alors. J'ai même hésité à arracher une daronne, hein, je vais pas te mentir. Ah d'accord. Bref. Qu'est-ce qui fait que ça batte lui là? Vas-y Paquito. Et pourquoi ils sortent les bottes? Ah ça sort les bottes, ok, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Bougez pas, il va vous allumer. Hé hey, l'armano, je veux bien qu'on s'embrouille. Je veux bien qu'on... On fait ce qu'on veut, mais là viens pas chez moi m'insulter quand même. Là tu cries devant tout le monde, t'es chez moi, tu vas arracher des mamans chez moi. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te canne ou quoi? Non, ça va aller, ça va aller. Pour la peine, toi tu vas me donner ta sacoche. Parce que nous, nous, on vous nique vos mères, c'est on vous croise dans la rue, on vient pas chez vous dire qu'on est des merdes. Je viens pas chez toi te cracher dessus. Bah, tu peux venir, hein, mais après. Non, je viens pas parce que je sais que tu vas me canner. Tu disais quoi, docteur? Donc, pour coup, ben. Qu'est-ce vous allez perdre plus de sacoches que prévu pour moi. Bah, écoute, Erazo, moi je te dis, maintenant. Écoute, mais comment ça maintenant, fait moi, comment je te dis... T'as juste peur parce que ton pote il a un gun, commence pas mais comme ça. Mais c'est chez qui là? J'ai pas entendu, c'est chez qui? Ton pote il aurait pas de gun. Si tu parlais pas de ce genre de toi, petite pédale. Deux secondes, Ray. Maintenant, Erazo, moi je dis, on range les armes. On fait un tête, moi et toi. Mais Hermano, ça on peut le faire. Si tu viens de. Mais viens pas dans ma maison, je viens pas chez toi. Tu viens chez moi, tu t'assois là où je mange et tu dis c'est chez toi. Et tu me dis, je vais arracher des dalles. Dans ta zone. Tu manges par terre, toi? Bien sûr, je mange là, sur les bancs. Ah ouais. Mais c'est des immigrés, ils ont pas de maison. Bref. Mais tu veux qu'on t'arrache pas? Razo, t'as beaucoup de patience, hein. Mais Hermano, la prochaine fois, mais justement, la prochaine fois pour régler un embrouille comme ça, envoie-moi une position quelque part, je viens. Et là, on peut s'embrouiller tranquille. J'ai préféré venir à la source, parce qu'ici, j'étais sûr que t'allais venir. Mais partout je viens. Tu crois que j'ai peur des infos? Vous connaissez les latinos. La peur de personne. Ah mais vas-y, rangez les battes, rangez les armes. Ouais, rangez tous personne, les mecs. Mais vous sortez des guns. Non, vous êtes mais combien, ma faute, t'es chez moi. T'es dans ma maison, là, Hermano. Ah, comment ça, du coup? 3, 4, 5. Ah, vous êtes 5. Nous, on est 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je dis 5, vous 5. Vous allez rentrer avec toutes vos jambes chez vous. Non, ça, c'est. Vas-y, tranquille. Vas-y, tu sais quoi, suivez-nous. Vous voulez vous taper, ça, on se tape tranquille, ça, y'a pas de soucis. Allez, on va leur niquer leur mère. Sans les battes, sans les flingues, sans rien. Mais ma foi, vous entendez ce que vous dites? C'est comme si je viens chez toi. Je m'assois sur ton banc, je te dis ici c'est chez moi. J'arrache ta mère. Eh, y'a pas une canette à me dépanner ici? C'est quartier latino ici, hein. C'est pas quartier afro. Mais allez, carwash. On te l'a donné au carwash. Après, tu sais, moi je suis un latino, normalement je suis bien accueilli ici. Vas-y, toi t'es un suceur de noir. Quoi? Ah, oui, la vie de ma mère, c'est pour ça que je voulais venir te frapper, c'est bon? Chut, merde. Médol. On m'appelle latino, moi. Oh. Eh, niquez-les, ils veulent niquer Mani! Viens là, petit. Pas des hommes! Tiens, un coup de marteau dans ta tête, bâtard, va! Je me repasse sur le banc, moi! Voilà! Eh, baisse le B! J'ai un paquet d'eau! Non, nique-le, un paquet d'eau! Non! Mais non! Voilà! Pas quitter les leur baiser leur mère. On vous baise ici, la vie de ma mère, on vous baise. Ouais, derrière toi. La vie de ma mère, c'est. Alors, c'est comment là? Bâtard, il nous a baisé. La tête à ma mère, c'est ridicule, frère. Oh putain. On m'a pas vu arriver. Eh, tu vois mes petits plans, t'inquiète, hein. Là, ton collègue là-bas, je l'ai baisé sa mère. Mais là, je viens, tu vois, pas bigler. Hein. Aïe, j'ai mal. J'ai mal. Fils de pute, j'ai pris un coup, il m'a balayé à la boîte, c'est quoi ça?
Dans bon, Erazo, je sais pas quoi là, ouais. C'est bon. Regarde-moi pas mal toi. Vous vous êtes fait baiser, vous mettez des coups dans le dos, et maintenant on sait qui on a affaire, c'est tout. C'est bon, c'est bon. C'est quoi qu'on s'attaque à faire, mais. Attends, un peu, c'est bon. Vas-y, craquer. Il y a eu l'adrénaline, c'est bon. Eh, maintenant on a gagné, rends-lui sa sacoche. Rends-lui sa sacoche, on a gagné, rends-lui sa sacoche. Vous avez rien gagné du tout, allez, barrez-vous maintenant. Quoi? T'as pas compris là? Allez, allez, Romano, barrez-vous, on va être méchant là. Non, on rigole. Et la prochaine fois, on met une pause quelque part, on se la donne là-bas. Tu viens pas chez moi. T'as des belles fesses, Erazo. Vas-y. Eh, chez vous, chez vous, on vous a niqué. Eh, ça y est, toi, arrête de me dire chez vous, pas chez vous, t'as niqué parce que tu vas repartir avec une balle. Nique ta mère. Oui, non. Pas les mamans. En plus, sa mère, ça se voit, elle est au Mexique, ça fait 20 ans, il l'a pas vu. Vas-y, venons, bouge. T'as quoi, beau gosse? Tu vas allumer sa grand-mère. Il me dit vas-y on est gentil partez, il me vient de vous-même, je nique ta mère, il est où? Ah ouais? Ouais. Vas-y j'ai déposé le fer. La chance est partie. Oh non ils sont juste là à droite hein. Ah non ils sont partis. Ils sont partis. Putain il a la chance hein, je leur ai allumé sa grand-mère. Mais c'était ça l'opinion ma mère. Et je lui dis vas-y c'est bon, hein, tranquille, partez. Il revient voir, il me dit nique ta mère. Ouais pareil, non mais moi pareil. Je sais pas. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Ouais, c'est bon, j'ai la plata. Vas-y, je t'envoie une pause, viens en plus vite. Attends, mais tu me passes les clés avec? Non, elle est volée, je passe au fil. Mais quoi, je peux la mettre dans un garage? Je sais pas du tout, ça, je pense. Hein. Oui. De toute façon, 1005, ça va. Vas-y, t'inquiète, je t'envoie la pause. Vas-y. Ça rafale, non? Oh, ça rafale devant. Ça passe quoi, frère? Jure premier GF. Ouais. Oh, t'es où? Viens, je suis Bergochot en ville. Ça rafale sa grand-mère. Jure. La tête de ma mère. Vas-y, j'arrive. Là, t'arrives, hein. Je rigole. Bon, mais fais. Ça va, viens rentrer. C'est passé quoi? Non, mais j'arrive, moi. Rentre dans le Bergochot, venez. Jure, ça rafale les afros. Oh putain, même, sa mère. C'est passé quoi, frère? Wesh, mais c'est... il se passait quoi, frère? On s'arrache. Eh, monte. Aucun pain, rien. Ouais, j'attends la pause. T'as pas reçu la pause? Non, renvoie. Vas-y, je t'ai envoyé quand tu rentres, cette balle, tu m'envoies à droite. Vas-y, propre. Vas-y. Pourquoi ça rafale là? Pourquoi ça rafale? Je sais pas, nous étions tranquillement en train de faire nos commandes dans le Burger Shot et. Ils sont partis, ils ont oublié leurs commandes, ces chiens. Oh là là. Venez vous réfugier, c'est jamais fini, ça tire. Oh, frère, c'est du tir. Oh là, j'appelle des ambulanciers. Oh, tranquille, donc. C'est qui qui a rafale? Non, frère, c'est du sang, mais c'est pas tranquille. Sure, ça rafale les afros là. Monsieur, est-ce que tu as été touché? Vous m'avez dit quoi? Elle va se faire reculer, le rasoir. Tu se penses bien? Non, monsieur, ça vient de tirer là. Ça vient de tirer, c'est. Master? Qui, vous avez un descriptif des individus? Razo. Je sais pas. Ouais, ouais. Ta mère. Vas-y, monte. Super sympa. Hein. Ok. Mettez-vous sur le côté, reposez-vous. Vas-y, Armano, monte, on a un truc à faire.
D'accord. Allô. Ouais, allô là. Ouais, c'est bien le vendeur de carte SIM là. Des ambulances, moi. T'as du quoi, Armano? C'est bien toi le vendeur de carte SIM? Si, c'est moi en personne. Ouais, j'ai un mec qui t'a envoyé un message pour des cartes SIM. Ouais, je sais pas si t'as vu. Quand ça? Là, y a pas longtemps, là, il t'a envoyé. C'est pour lequel? Dis-moi qui me renvoie un message. Vas-y, il te renvoie ça. Vas-y. C'est qui le cafard là? Renvoie un message, Hubert. Vas-y, y'a qui dans la voiture là? Y'a l'agent immobilier. Mais l'agent immobilier descend là, on va leur niquer leur mère. C'est où? Faut que tu me ramènes quand même. C'est où? Mais descend, Hermano, on va leur niquer leur mère là. Mais c'est où ton truc? Dépose-moi à gauche à l'agent immobilier. Attends, mais dépose-moi, jette-le lui après on y va. Taxi. Ouais. Attendez, vous allez faire quoi là? À gauche. Mais c'est qui le troisième dans la job? Mais c'est Rico. Ça devait la Ouais, c'est moi, négro. Je voulais carrément t'acheter des cartes SIM en fait et je me suis dit le numéro tout à l'heure. Ah. Ouais, du coup. Je dois te dire les numéros que je veux. Ouais, tu m'envoies par message des numéros et on fait ça après. Yo, carré, tu m'enverras une pote, c'est ça? C'est ça. Je vais juste chercher mon PC portable pour les craquer. Bah, j'ai pas de soucis, carré, négro. Vas-y, parfait, hermano. La bise. Ouais, hasta luego. J'en peux plus. Mais attends, on va acheter des armes. Hey, hermano, va l'armurerie. J'en peux plus du téléphone, frère. Mais vous comptez faire quoi, là? Ça fait trois fois que tu poses la question, t'es anxieux quoi, t'as peur? Non mais c'est pas ça, c'est que je veux savoir dans quoi vous m'embarquez. Mais on va se faire une banque. Ah bon? La main non, juste après. On va régler un compte avec des afros qui ont volé une voiture de chez nous. Ah d'accord. Je frère, attends. La 015 et la 01. Je suis sur la route, mon flair. Il y a eu des tirs. Il y a eu des personnes qui ont fait une fusillade, Burger Shot. J'arrive. Vas-y, tu me dis quand t'es devant. Je me suis embauché tout à l'heure là. Tu m'appelles, ok? Vas-y. Vas-y. Ça va, quoi. Oh, je m'en sors plus, frère. Attends, c'est quoi les numes? Pour 1000$ le mois, t'as peur de venir tomber des noix avec. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est... attends, mais frère, c'est. Il y a combien d'argent là, frère? Attends, ils ont pris quoi? Ils ont pris toutes les rares. Et bah, t'as eu peur, t'as fui. Voilà, tu dis ça à ton pote. Alors. Ouais, vas-y. Ils ont vraiment pris toutes les cartes SIM rares, hein. Ils sont gavés. Hein. Alors, la 11. Mais c'est un guet-apens. Ils m'ont pris la 11, la 15. Attends, je vais les réserver. Tu fais des burgers, hein. Tu tiens pas une. Tu tiens pas une fusillade. C'est pas gentil. Ça semble guette, mais de toute façon, je peux pas en donner plus qu'une. Ouais, t'as raison. Ça fait 1, 2, 3, 4. Où l'armurerie là? 5, 6. Ah, ok, c'est bon, on peut passer. Et la 10. Mais frère, ça fait beaucoup d'argent là. Vous achetez quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça on se roquette. 5, 6, ouais, 7500. Je suis mort. Si c'est vraiment vrai, moutu, frère. C'est bizarre, mais de toute façon, il y a un problème derrière. In-game, je peux pas donner plus de une, le mini bug. Je vais à la très cher. Mais t'es fou, frère. Tu sais qu'on m'a proposé déjà une tonne, hein. Ah ouais, vas-y, je vais acheter un truc. Vas-y, achetez-vous des points américains. Ouais, j'en ai déjà un. On m'a proposé 15 000 et 10 000 pour les numéros. Et vas-y, quand je dis. Bah, quand tu dis. On va trouver un truc. Vas-y, va la pause là. Quand je dis. Attends, faut trouver. Voilà. Tu dis. Où la pause? Et quand je dis. Plata au plomo. Vous avez compris? C'est-à-dire, on leur nique leur mère, on récupère la voiture, on part.
Ça marche un peu, ça marche pas plus. Tu les connais les afros là? Je sais plus, mais en tout cas là, juste après j'ai une commande de carte SIM pour 7 500 $. Hein? Il y a une personne à m'appeler, elle veut toutes les rares. Les rares? Ouais, hermano. Techniquement, elles sont toutes aussi rares. Hein. Qui va sortir des blocs, tu vas bégayer. Bah, s'ils sont armés, on est baisé, mais s'ils sont pas armés, tant mieux. Attends, me dis pas, t'as acheté les 0001, 0002, 0003. Ainsi de suite. Ah, mon gars, il faut de l'argent. Là. T'es un génie. Je suis un génie, mais tu vas où? T'es un génie, mais par contre, t'es un fils de pute. Je suis un génie, mais tu vas où? Il est derrière le pont. Pas derrière. Laisse-moi conduire, je connais la pause. Et sans le GPS, c'est trop dur. Armano, laisse-moi conduire. Arrête de me faire le baby driver, en fait. Oh, je vais craquer. Oh, tu tardes. Hey, Hermano, j'arrive. Hey, t'es bizarre, toi. Je te dis, je suis en route, je suis en voiture. La tête de ma mère, j'arrive. Je parle de Burger Shot, c'est pas si loin. Ouais, mais le GPS, il rend fou. Vas-y. Il insiste un peu. Oui, là, mais toi, laisse-moi conduire. Toi aussi, t'insistes un peu. S'il te plaît, laisse-moi conduire. Tu fais le tour 8 fois. S'il te plaît, laisse-moi conduire. Vas-y, on va voir. Non, mais toi aussi, je te dis, laisse-moi conduire. T'es passé 8 fois devant le pont. Ok. Faut pas suivre le GPS quand c'est comme ça. On a fait 8 détours pour rien. Un rentable. Moi je commence à la connaître la map par cœur, enfin. Je commence à connaître comment. Après, pour sa défense, c'est pas un pont, c'est un tunnel. T'appelles ça un pont, espèce d'énorme gros fils de pute. J'en ai rien à foutre comment ça s'appelle tant que ça change de truc. Mais tu m'as dit. Mais en fait, j'en ai rien à foutre comment ça s'appelle, Herman. Mais c'est comme si tu me disais, emmène-moi au poste. Et juste après, je t'emmène. Tu m'as dit, mais non, mais c'est pas non, là. Mais au début, je t'ai pas dit mais le pont. Au début, je t'ai rien dit. Au début, je t'ai mis la pause. Mais c'est toi t'as suivi le GPS. Ok, bien vu. Bah, faut être vif par contre. Je sais pas s'ils sont insistants. J'espère qu'ils sont pas calibrés. Eh, s'ils sont calibrés, vous courez, hein. À part s'ils sont collés à vous, ben levez les mains pour qu'ils vous fument. Et s'il y a une petite distance, ben vous courez. Bien vu. À part si vraiment Là, j'ai pas compris, grosse fusillade de fou! Non, mais moi non plus, j'ai pas compris. J'étais en train de travailler et ça rafale. Eh ouais, mais On t'a pissé au cul, toi! Mais j'ai rien fait de bizarre là! Coupez le comptable, descendez du véhicule! Non, mais lui, on lui a pissé dans le cul, c'est pas possible! Les mains en évidence! J'ai rien fait de bizarre là! Les mains évidentes. Mais j'ai rien fait de bizarre là, non? Sur le côté, monsieur, s'il vous plaît. Si. Ouh là là. On allait au terrain baseball là. Ça va. C'est pour qu'on vous arrête, monsieur. Je sais vraiment pas alors là. Vous passez comme ça, comme un grand fou à côté de moi, vous gardez le feu rouge. On a un bubble de boîte ici là. Enfin, je me suis arrêté, j'ai passé quoi. Non, vous êtes passé directement devant moi. Marquez un petit temps d'arrêt. Ok, monsieur l'agent, désolé. Ok, j'espère que ça se reproduirait pas. Aujourd'hui, je vais être clément. Première fois que je vous vois de l'œil. J'espère que ça va pas se reproduire. Faites attention quand vous roulez, monsieur. Ça marche, monsieur ici, les agents. Ici, on est à New York, il y a des enfants à tous les coins de rue. Bah, mais il est repressé, monsieur. Après, là, non, mais ça tire défense, dans le coin, donc bon. Pour sa défense, sur les réseaux, ils disent tous de faire attention dans le secteur parce qu'il paraît, il y a des douilles qui ont. Donc je vais pas m'attarder ici. Ils ont dit de pas trop s'arrêter dans les rues ou quoi. Et là vous comptiez aller où comme ça, messieurs là? Mais très loin d'ici en tout cas. Ah très bien. Bon bah partez très Vas-y, loin. Vas-y, merci d'ici, beaucoup alors, messieurs les agents. Voilà, messieurs. Merci. Désolé. Hein, première et dernière fois. Bon courage. Bon courage. C'est qu'une merde.
T'es vraiment qu'une merde. J'ai mais là j'ai rien moi. Ah, mais y'a des feux, y'a des feux. Attends, mais il faut respecter les feux. C'est non. Normalement. T'as failli la refaire. Mais hermano. Mais y'a des feux, fils de. Oui, mais dans le RP, un feu rouge, tu c'est sais, un. Le rouge, tu t'arrêtes. Le vert, tu continues. Le orange, tu. Tu t'arrêtes un peu et après tu y vas. Il nous veut quoi. Tu ralentis. Je sais pas, c'est. Ils nous suivent. J'en peux plus. Venez, c'est là. Vas-y. Mais moi j'ai cru que. Il pensait que tu ram. Moi j'ai cru que c'est comme tous les serveurs. Feu rouge, tu marques juste le temps d'arrêt, frère, t'attends pas le feu vert. Ouais, hermano. Y'a rien qui vaille. On verra bien. Si je crois que c'est dans le bloc là, je crois. Y'a deux mecs en doudoune blanche là qui. Ah, c'est là, cross. C'est là, j'entends une voiture. Ah, mon gars. Ouais, hermano, désolé. Hein. Ouais, la elle passe la thune à côté à mon gars, faut faire vite. Parce que vas-y, j'ai pas le temps, il y a des galères et tout. Ouais, la ouais, comme ça tu tapes la première, tu connais même l'affaire ou quoi. Non, non, t'es d'un non. Vas-y, tu sors ma mère, t'arrives, bah, bah, descendez, on la donne et. Tu connais même l'affaire. T'arrives, recule avec la voiture, recule avec la voiture. Ouais, appelle-moi là. Mais. Eh, attends, attends, il y a une moto, il y a une moto qui s'est cachée là. À gauche, derrière. J'ai pas de point américain, c'est des bagues. Et les hermanos, ça pue. Il y a une crosse et une moto qui se cache. Je sais pas c'est qui c'est le mec. Ouais. Viens là où il y a la voiture. Est-ce qu'il y a des personnes qui se cachent là? C'est un guet-apens ou quoi? Je sais pas si t'as fait exprès de la casser. Là c'est pas un guet-apens, c'est pas un guet-apens. C'est juste là vous me donnez les sous, j'ai fait un signe de la main, ils descendent de la voiture et vous la prenez, c'est bon? Bah non, du coup. C'est un peu débile. Bah non, parce que là, si. Si, mais non, mais dis-lui de venir avec la voiture, et tu crois qu'on va te la voler. Bah ouais, c'est jamais. Mais viens. Et on parle, on regarde la cou. Comme ça, tu lui fais un signe de la main, il se barre, et puis voilà. Bah ouais, regarde justement. Là, tu me passes les 1005. Non, mais arrête de me faire le vendeur de. Arrête de me faire le vendeur Wish. Amène ton pote et fais ça. Je sais pas, vous êtes bizarre. Vous savez pas vendre un véhicule, je sais pas. Laisse un hermano à moi l'essayer, nous on reste avec vous. Je sais pas, que ce soit commercial. Et sur les commerciales, on se met dans le bloc, on regarde la voiture. Un hermano il va la conduire, nous on reste là. Ça, vous avez pas peur qu'ils s'enfuient. Et on l'essaye, je sais pas, on dirait que vous vendez une sacoche Gucci. Une voiture volée, on a pas de temps à perdre. Mais t'as pas de temps à perdre, mais il faut bien que je l'achète. Et bah alors perds pas de temps et ton pote il descend, on donne la thune et puis tout le monde part de son côté. Mais en gros là, moi je veux qu'un hermano il essaye. Pourquoi l'essayer? Parce que je vais voir ce que j'ai acheté. Je vois quoi qui fonctionne. Si je tape une deuxième, elle cale. Si tu veux, il la tape devant toi la deuxième. Mais on reste là. On reste là, Armano. Un Armano à moi, il essaye, nous on reste là. Vas-y. Donc il y a un de fou. Si on arrive à le faire descendre la voiture, c'est game. Mais là, frère. Reste à côté si tu veux. Vas-y, ouais, barre-moi. Mais non, reste là, n'aie pas peur, on reste là, non. Mon gars, j'ai pas peur de toi, j'ai peur des dégâts qui sont par le tour. Je capte. Vas-y, on va attendre qu'ils reviennent. L'avez volé à qui? Je sais pas. C'est quelle année? Hein? Quelle année là, à côté? Je sais pas, moi, on m'a dit Golf 7R. Non, je vais pas chercher plus loin. Eh ouais, mais tu vends un véhicule, c'est quel moteur? Etc, la mano, oh, c'est profiné. Je sais pas, je me renseigne pas sur ça, moi, elle est volée, je sais pas. Vas-y, je vais regarder le moteur. Ça se vend bien. Vas-y, descendez, je regarde le moteur. Descends, hermano. Non, ça se vend bien, ça. Alors. Fais gaffe, tu nous voles des pièces. Eh non, je vais en faire quoi, hein. Ouais. Tu veux qu'il les démonte à la main, il faut niquer la voiture. Je pense, c'est jamais, hein.
Vas-y, elle a pas beaucoup de kilomètres, ça se voit, le moteur il est propre. Et du coup. Voilà mon gars, pas de galère, pas de galère, c'est. 1005. T'as pas besoin de discuter, mon gars. Passe l'argent, t'as la gova. Ouais, mais c'est. Mais attends, mais hermano, c'est pas une sacoche, encore une, je regarde. Afro, vous l'avez volé à qui? Un mec, un comme ça. Je récupère juste mes affaires à la mienne. Un petit riche. Et va me le trouver. C'est pas genre l'afro, il vient, il me creuve les yeux. C'est un bouffon, t'inquiète, il est habillé en costard, tout ça. La plaque, attends fort. Pardon, monsieur. Quoi, on peut changer les plaques ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que ça peut changer. Mon tu vois, tu te moins. Parce que Thiago, je sais pas c'est qui. Ouais, non, mais je veux pas ça sur ma voiture. T'inquiète, t'inquiète, tu vois, le mécano, il va te faire ça pour 50 dollars. Change la couleur et il va pas te casser les couilles, même le Renoir. Vous êtes sûr, on fait pas 1000 dollars? Ah, 1500 comme ça, nous on partage bien en 3. Ouais, comme ça, chacun. On a 3, 500 chacun. En plus, toi, tu pars avec une bête de voiture. Vas-y, donne-lui la plata, hein, parce que là, de toute façon, c'est une plata au plomb. 1500 pour ce bolide. Je sais pas où tu vas trouver ça. Ah, fils de. Descends, toi, ta mère. Oh non, ils avaient des couteaux. Mais... Ah, ils plantent trop les gens, frère, mais. Frère, ça y est, je préfère lui rendre la voiture. Tiens, c'est bon, je la rends. Mais laisse-moi aller voir mes hermanos. Y'a pas d'argent. Laisse-moi aller voir mes hermanos s'ils vont bien. On vous dépouille, vas-y, avance, avance. Vas-y, juste regarde s'ils vont bien, vous avez planté. Vas-y, hermano, tiens le coup. Vas-y, rentre dans le garage, là, rentre dans le garage. Attends, je vois mes hermanos. Prends ta bouche, je vais le traîner, toi, hermano. Vas-y, vas-y, rentre dans le garage. Laisse-moi, attends, je le porte. Vous allez me baiser, vas-y, traîne dans le garage. Vas-y, hermano, tiens le coup. Vas-y, canne pas, hermano. Comment je fais pour le lâcher? Vas-y, lâche-le, lâche-le. Non, ça sera pas comme ça. T'arrives pas à le lâcher? C'est bon normalement, c'est bon. Vas-y. Donc le mur toi là. Bon des bâtards, on est niqués hein. Bien sûr. Vas-y, comment ça, levez vos mains et vous retournez. Frère, au mieux qu'il. Tu vois, c'est pas. Stylé, ils nous retrouvent. Ils fassent une enquête, ils savent on est qui, ils ont mon numéro, ils font un guet-apens. Ça plante trop vite, c'est dommage. Oh, c'est dommage, ça plante trop vite. Parisson, I note, c'est ça, fini comme G-Life, Matrix et Dieu. Non, arrête de dire n'importe quoi, Badax. Mes bagues. J'ai pas tapé. Tapé JD. Ma mère, vous êtes des bonnes. Bande de fils de pute. Lève-toi. 1500, un gros bolide comme ça. En plus, tu veux le voler. Bande de fils de pute. Les voleurs se font voler, hermano. Tu me dis ça comme si. T'es là, t'es en train de me dire. Ça va, je pisse déjà le sang. Vous voulez nous voler alors que vous l'avez volé vous-même. Ta gueule. Bien sûr, on l'a volé. Nous, on vole, nous. C'est quoi sur vous là? Tu rachètes. N'a rien, on est venu sans rien, on a prévu le coup. On a aucun dollar, rien. Vas-y, je peux vous moins. Bah, si t'as rien, mon gars, on va te raser le crâne. Hein. Ça va te faire du bien. Mais heureusement, c'est des cheveux, ça repousse. Bah, des cheveux aussi, nous, ça va mettre un bon bout de temps, t'inquiète pas. T'as rien? Ça il a rien. Vas-y, tu vas me donner ton téléphone déjà. Non, attends, je vais voir ce que les autres ils ont avant. Toi, lève-toi aussi là, le blond. Je suis en train de tenir ma blé là, je crève ou pas? Vas-y, je vais te lever. Merde. Bon, moi perso, déjà, il me faut une scène comme ça. Rien, je leur laisse prendre la voiture. Je leur laisse prendre la voiture. Déjà, t'as et... Là. Et je les retrouve. Je leur fais un guet-apens. C'est quoi, t'es essayé de nous baiser? C'est marteau, moi, tu crois que je suis planté ou quoi? Je suis pas un fils de pute. Ta gueule, je parle de ce que t'es essayé de... Avec quoi t'es essayé de nous baiser? Ah, mais t'as des sous. Marteau. T'as des sous, toi? Un peu, ouais. Je vais te les prendre. Enculé, ouais. Rix, le nul. Quoi, je te laisse 100 dollars de quoi survivre. Sale bâtard. Et lui, il a quoi? Mais ils ont le droit. Non, planté, t'as... Là, il a 62, planté 70 le... dollars. Vas-y, prends-lui. Non, on n'a pas le droit de planter, les frères. Gros fils de pute. Planter, tu as pas le droit. Mais pour eux, ils ont vu. Non, mais en fait, planter, le staff a fait un rappel pour les couteaux. En fait, toi, t'es trop gentil. Mais arrêtez de me dire ça.
Gardez-les, gardez-les. Baisse ton froc là, la chino de vente. Un qui bouge, hein. Je vous tranche. Mais de qui tu parles là? À toi, baisse ton froc, baisse ton froc. Mais comment ça baisse mon froc? Mais t'as pété les plans, baisse toi. Baisse ton froc, baisse ton froc. Laisse-moi en l'air, toi, laisse-moi en l'air. T'as pété les plans, toi, je baisse pas mon froc. Ok, ok, c'est bon, ça. Baisse ton froc. Aïe, tu peux me frapper, je baisserai pas mon froc. Tu peux ouais? Mais bien sûr, t'es un baiser, toi, quoi. Vas-y, bah donne-le-moi alors. Tu le veux, tiens, je le donne. Je sais pas c'est lequel, j'espère qu'il a de la chance. C'est qui lui? C'est qui lui? Ah bah, merci pour le proc. De rien. Mais ça revient au même, c'est comme si tu l'avais baissé. Bah ouais. C'est pas pareil. Tu baisses pas mon pantalon, moi, je suis pas une putain. Tu le fais, tu finis en kilote. Qu'est-ce que cela? Il est trop du cul, ils ont essayé de nous baiser. Suisse de pute, il a essayé de nous louer. Il voulait nous voler notre voiture qu'on a volé. En lui revendant, et c'est niqué. Eh ben. On fait quoi de là? Soit on les tabasse, soit. Je pense que tu les as déjà assez plantés, je crois. Bon, t'as rien fait. Eh, mon gars, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Quoi, t'es en train de remettre ça sur le plateau? Mais non, mais tu veux faire c'est quoi de plus? Laisse-moi emmener mes hommes se faire soigner. Eh, qu'il a qu'à tenir. J'avoue, lui, là-bas à gauche, il se sent mal. Lui, là-bas à gauche, il se sent mal. Il en bat les couilles. Tiens, tu veux voulez faire les malins? T'as de la chance, je suis musulman, j'ai pas envie de tuer. Assumez vos plaies. Assumez vos blessures. Quoi? Ça doit être une salope. Ah là, il cherche. Ils sont plus canés ici, on s'en bat les couilles. On peut le tuer maintenant. Il va le tuer parce que moi, je suis musulman, les mecs. Non. Bon. Vas-y, on les laisse repartir. Attends. Décale, tu sais. Ouais, mais ils savent pas quoi faire, frère. Rien. Mais ils sont là en mode on fait quoi? Je pense que c'était. Il fallait pas planter comme ils ont fait, il fallait. Ils ont mon num, ils nous tendent un guet-apens et c'est stylé, frère. Oh, la chino sans froc. Ouais, hermano. Viens. Ouais. Viens. Suis-le. Viens, je suis en face de toi là. Je suis collé à toi. Ouais. Je suis là. Ah, ok. Vas-y, t'as marché dans l'huile, je crois, saute un coup. Vas-y. Retourne-toi là, regarde tes potes. Ses potes, regardez-le. Regardez-le là, ses potes. Attends. Le blond là. Attends, il se relève, hermano. Attends, je suis en train de me relever. Ah! Elle m'a merci de nous rebaiser. Essayez. Essayez seulement. Maintenant, traînez-les, barrez-vous. C'est pour des putes. Comme de salopes. Vas-y, prenez votre chef et prenez ton pute de pote là, cassez-vous de quartier. Hey, Salphabet City, homme de salope. Vas-y, traîne. Ça va, je vous juge fort, non, même pas, frère. Ma mère, on essaie de faire vous êtes un BDC mais... équitable. Vous êtes là, vous voulez nous baiser. Lâche-moi. Et je te lâche, je sautais dès le début, bande de chiens. Mais en plus, vous êtes... Y'a rien, mais j'ai pas envie de me venger, moi. Je suis baisé par Bachar. Je pas vous lâcher. Mon game cap, bande de salope. Refais pareil, hermano. Attends. Refais pareil. Ok, c'est bon. Refais encore, par favor. Voilà, c'est bon. Sa mère, ma cabeza. Moi, franchement, je vous dis la vérité, moi, de mon point de vue, j'aurais pas planté. J'ai l'hume du mec, je peux lui niquer sa mère. Planter, on a dit, ça pue sa mère, planter les gens. Oh, sa mère. Ils ont le droit de tout prendre. Ils ont le droit de tout prendre, nous laisser à poil, faire ce que tu veux, tu vois. Vas-y. L'hôpital, hermano. Money Genkai. Tête de blue de Kier. Moi, la vengeance, pour moi, c'est un truc de. Faut se venger pour un truc de fou, tu vois. Allez-y. Allez-y, hermano. Moi, je t'aide. Sa grand-mère, tu pisses fort le sang, là. Ouais. Vas-y, je cherche un docteur. Je vais nager à l'hôpital.
Yo, y'a un médecin ou pas? Docteur, docteur, c'est le docteur, je peux avoir un pansement à la jambe? Prenez-le, ton pansement à la jambe, attends mon frère, coup de couteau là ici. Ah d'accord, c'est pas le problème. Désolé l'hermano, mais... T'inquiète, pas grave, parle-moi. C'est plus important le coup de couteau. Non mais arrête d'être à main nue. Mais vous comprenez pas que... Il faut pas planter les gens. Il faut pas planter à tout va. Il faut pas faire ce que vous venez de voir, vous comprenez pas? Nous on est à main nue, on est arme blanche parce que c'est ce qu'il faut. Du coup, messieurs, vous êtes à votre avis? C'est non, c'est pas notre avis. C'est ce qu'il faut, être à main nue. C'est lui l'ami de lui qui va en opération. Main nue, arme blanche. Okay. Yo, et il faut comprendre que... Il faut comprendre que c'est crescendo. C'est crescendo la violence normalement. Tu nous appelles, on fait un petit rendez-vous. Ça va ou quoi les avrons? Ça va ou quoi mon ref? Ça va. Ouais mon gars. Tranquille. Ça, 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 oh mais attends, c'est pas vous, vous détenez le label? Ouais, le label aussi, non. Yo, vas-y, tu veux que je te fasse un petit rap, là? Vas-y. Yo, j'ai une intro, non, non, j'ai une intro, j'ai déjà pris. Yo, non, mais moi, je fais a cappella, yo. Non, mais vas-y. Ok, vas-y. Non, mais les refs, regardez son coin, on peut pas parler de lui. Ouais, mais je pense que c'est mieux pour moi. Ok. Yo. Ok. Yeah. Et il met un truc sérieux, hein. Ouais. Ok. Yo. Ok. Skip, skip. Ok. T'as que ça se lance, hermano. Vas-y, Ibi. Yo, attends, faut pas. Je fais les bacs, Ibi. Ok. Ah, yo, j'arrive au Comico, au Blast, la cité, yo. Car wow. Je suis une foucave de la street, ya, ya, ouais. Ouais, je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Pour l'argent, je ferai tout, yo. Pour l'argent, je ferai tout, ya, ya, ouais. Je suis une salope, mais pas de baisse, yo. Yo, dans le cul, je le baisse. Yo, dans le cul, je le baisse. Ouais. Je suis une poucave, je m'en bats les couilles. T'aimes bien ou pas? Armano, je suis une salope. T'aimes bien? Non, 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 on peut pas faire passer ça sur le label. Je suis une pouquille, je balance, je suis une salope. Mais en plus, non, mais yo, yo, c'était le seul texte que j'avais là. Dans le cul, je baise, Armano, je peux pas passer ça dans le label. Non, mais yo, yo, j'ai pas écrit le texte là, mais sinon, si tu me laisses écrire un texte, je te fais un truc de fou. Oh, c'est quoi yo, ton nom d'artiste là? Yo, moi, c'est AB Bitches. AB Bitches. Tu t'appelles Yanis? Gênant, arrêtez les frères. AB ou Yanis, comme... Vous êtes jamais content, je vous sens plus. Yo, Yanis. Yanis. Yo, Yanis, hey, je te fais non, un son. Désolé, un vrai je son. Pas les personnes qui s'appellent comme ça, Roi. Wow. Oh, le race. Yo, vas-y. Yo, viens, tu me prends rendez-vous, je te fais un vrai son. Avec une brasserie et tout. J'ai pas de label, c'est pas vrai. On est en moto là. Mais yo, vas-y, va te faire foutre. Mais j'ai pas de label. Mais on va te faire foutre. Je voulais juste te faire rapper, moi. T'as aimé ou pas? Mais t'as aimé ou pas? Ben franchement, je baisse dans le cul, non, parce que ça, c'est mort. Mais yo, c'est la réalité de la rue, yo. Bah, t'es ouais, rue à toi, pas de la mienne. Je baisse dans le cul, même des fois le soir, je suis mes potes. T'es à Bronxville. À Bronxville, ah, jure, lourd la soirée. Et toi, tu viens d'où, hein? Ouais, tu veux venir à nos soirées? Là, tu veux venir? J'y étais, au Bronx. Ah, yo, t'aimes bien? Là, t'aimes bien ou pas? T'aimes bien les soirées ou pas? Yo, nous, après, on fait des soirées plus privées si tu ramènes tes potes. Ouais. Dans un appart à 6. Ouais. Un petit masque, tu vois. Entre couilles. Et des tailles. Et des fois, on se touche le cul. Ça dépend. Quoi? Ça dépend, ça dépend. Ouais, ça dépend. Yo, t'es réticent au début et après, yo, on te met à l'aise et tu comprends. Yo, vas-y, t'as pas un numéro? Yo, un numéro. De quoi? Ce qui dit de quoi? Ce qui dit de quoi là? Tu vois pas ce que je suis en train de faire? Tu vois ce que je suis en train de faire là? Oh yo, le latino. Ouais, ouais. Yo, t'as pas un petit numéro là? Comme ça, on te comprend. C'est 0. 0. Yo, vas-y. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Mais la tête de ma mère, c'est mon nu. Oui, oui, allez. 0-0-0. Mais 4-0, appelle-moi. Pourquoi il prend l'action, Mexicain? 5-5-5-0-0-0-0. Ouais, je suis un vendeur de cartes ici. Mais non. Vas-y, appelle-le. Vous avez pas vu la pub sur Twitter? Ça gratte, putain, les morpions. Yo, vas-y, fais 4-0 et appelle-le. Quoi? Putain, les morpions, là. Tu veux que t'aides, attends. Mais vous avez pas vu la pub sur Twitter? Non, mais yo, t'es un menteur, toi. C'est honte un peu, là. Foutez de ma gueule, non, non, t'es un mytho, t'es un mytho. Yo, vas-y, appelle. Attends, par contre, t'as la même coude que moi. Yo, c'est bon, arrête. Vas-y, donne-moi ton numéro, je t'appelle. 5-0-0-0. Vas-y, appelle le 21-34. Yo, vas-y, bon. Oui, vas-y. Il y a un mec qui m'a appelé là, j'ai raccroché, ça va répéter, ça commence à faire. Yo, vas-y, attends, je te rappelle. Yo, comme... wesh, c'est vrai? Arrête. C'est un bordeur de carte ici. 87-07, c'est qui? Yo, wesh. Allo? Ouais, ouais, c'est Wonder Yo, wesh. Yo, il a le meilleur numéro. Mais t'as rien. Il y en a plein à vendre comme ça. Vous êtes les seuls pour courant, bien sûr. Ouais, regarde, je vais remettre l'annonce sur Twitter. Yo, c'est combien? Yo, c'est combien juste pour savoir? Mais regarde l'annonce. Yo, juste comme ça, juste pour savoir. Yo, j'ai vraiment la flemme de regarder. Ah, t'es, il va mettre une annonce.
Mais hermano, c'est tout dépend de nous. Vas-y, mets l'annonce. Incroyable, frère, je trouve des clients, frère. Sur Twitter, ça. Ouais, sur Twitter, il a dit. Wesh, mais ils écrivent trop sur Twitter. 0667. 0667. Yo, c'est pour combien pour 00 donc quoi yo, non, c'est bizarre toi. Moi je veux 0069. Mais regardez, yo, mais regardez, il y a, y a ah, des numéros je... disponibles, il y a des réservés. Yo yo, est-ce qu'il y a le numéro 555 LGBT? Nique ta mère. Mais toi t'es chelou toi, hermano. Non mais yo, mais c'est pour rigoler yo. Ouais ouais, ah, c'est pour rigoler tu sais. Non pour rigoler. Non mais yo, mais... yo, tu veux venir pendant la soirée ou quoi? Ouais, non, pas ouf du coup. Ah, yo, tu vas kiffer, hein. Ouais, non, c'est ouais, pas mal, non. Il y a des vraies meufs avec des gays. Enfin, tu connais quoi. Genre des chemins. Ouais, yo, tu vas kiffer, hein. J'aime bien, j'aime bien. Des chichas, bah, t'as vu. Yo, des chichas ah, dans la bouche, t'as là. T'as pas le que je recherche. Ouais, t'as pas c'est le quoi tu recherches? Moi, c'est 0667. Il a déjà été vendu, là. Mais non. Vas-y, dis-moi, tu recherches quoi, toi? Moi, c'est 00669. 069. Je ouais. L'ai pas lu, t'es sûr? Yotaz. Je sais pas, je trouve pas. Yotaz 0666. Il est pris, lui. Enfin, non, 666, il est pris. Par contre, si vous voulez, il y a le 0777. Il est pas pris. Si... Ah, ok. Non, non, il est réservé, lui. Il va être acheté dans quelques minutes. Ah, ah ouais. Bah pourtant, là. En bleu, c'est réservé. Non, le 0777, pas le 7777. Ah, ouais, il est pas pris. Eh oui. Par contre, ça fait cher un peu les cartes. Tu gères. Mais sache que, mais comme a, tu peux voir, ça y a parle vraiment des gens qui achètent. Mais c'est pas pour rien que tu regardes ouais, les couleurs. J'en ai vendu pas 2000. Bah attends, mais tu t'es fait les couilles. Non, hein, t'es un génie en fait. Hermano, j'ai investi. C'est trop intelligent. Je fais la même chose que toi. Bien, j'ai mon ref. Mais c'est bon, il les a déjà tous là. Il a toutes les cartes SIM. Mais yo, t'as acheté 1000 cartes SIM. Et ouais, hermano, c'est la rue. Oh là là. Comment il est trop malin, sa mère. Mais yo, il est trop malin, mais c'est abusé. Ou les vols, les cartes SIM. Yo, lui, ça se voit, ça va être le roi de la ville bientôt. Là, là j'ai une commande de 7500. Bon, des cartes ah, de SIM, dis donc. Yo, c'est trop grave. Vas-y, bah, si jamais tu veux passer à nos soirées, hésite pas. Hein. Yo, vas-y. Yo, vas-y, donne ton. Attends, bah, j'ai son nom, c'est bon, c'est carré. Il m'a envoyé le menteur. Moi, ça, parce que moi, je peux te faire inventer. Hein. Ah non, non. T'es pas très inventé. Hein. Je mens pas, moi, c'est mon business. Et attends, j'ai une question. T'as ce numéro qui est comme inestimable, attends. Le 8360. 8360. Ouais. Mmh, il est dans la liste ou pas? Cité délicieuse. Ah non. Mais il y a moins gelé. Hein. Comme je dis, j'en ai 700. J'ai mis que les beaux, mais il y a moins gelé. Attends, 700. Okay, okay. Ah bah ça va. Le 8360, mais tu l'achètes vraiment si je l'ai ou pas? Parce que regardez, 1000 sims, ça fait chier. Et non, c'est le mien, mais hésite pas à m'appeler beau gosse, allez, à plus. Bah, j'aime bien, je te jure, je t'enregistre. C'est une masterclass. 8360 et je m'appelle Marabou. Le 80. Yo, j'ai oublié mon numéro. 8707. Non, mais yo, j'aime ça. Mais yo, envoie-moi un texto, les Armano, c'est plus facile. Merci beaucoup, Narvel, pour ton 9e. Vas-y, je t'envoie. Et c'est 000. Attendez, je reviens. Vas-y, à plus. Forcément, Armano va bien. A plus, les Armano. Attends, c'est pas le salut, mon bouc. Erazo. Erazo, c'est pas un prénom, ça. La NAP. Oh là. Moi, j'ai besoin de soins. Oui, je vais m'occuper de vous. Il y a Armano à nous. Oui, en battant, quoi. Voilà. Hermano Anou qui est revenu. Oui. Il est venu pour. Blessure. Oui, ok. Oui, c'est quoi ça? Ça me rend fou, frère. Là c'est, il est en repos. Et il a juste besoin de vêtements. Il a besoin de vêtements. Et je sais pas si ses amis peuvent en donner. Ouais, dis-nous, non, j'ai plein de sacs. Bah, venez avec moi, s'il vous plaît. Un sac. C'est vous. Voilà. Il aurait besoin de vêtements. Parce que ses vêtements sont remplis de sang. Alors, j'avais pris un sac pour toi. Gracias. Ça n'est bien sans tirer, du coup. Ça fait un mal de chien, ouais. On va dire que c'était pas très profond et qu'il y a de la le chance. Haut, tu me le rends. Le bas, tu peux regarder, mais le haut, tu me le rends. Ouais, t'inquiète. Sinon, tu vas mourir, tu sais. Ouais. Pour changer. Ah bah ça vous va bien. Ouais. Je
dirais pas ça. Ah non, ok. Je vois. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait l'affaire. Il va pouvoir manger là, je sais pas s'il va tomber. Il y avait dedans, mais gardez comme ça. Des petits morceaux par petits morceaux. Pareil, petite boisson énergisante. Tu veux juste garder un flot comme ça, frère? Merde. Alors après, j'aimerais bien que vous les pas devant moi. J'avais soif, monsieur. Oui. J'aurais besoin de vos services aussi. J'ai fait la bagarre avec un afro. Voilà. Allez, je vais m'accompagner à la sortie. Le bonnet, ouais, je vais mettre le bonnet là. Parfait, doucement. Merci beaucoup, mademoiselle. Y'a pas de soucis. Je vous dois quelque chose. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah, sérieux, vous êtes pas payant. Si, mais c'est bon, c'est un bandage. Y'a pas besoin. Ah, d'ailleurs, je vous avez que quelques bleus. Merci beaucoup, madame. 70 dollars seulement, c'est ça que j'allais oublier. Vous avez pas d'argent, frère? Marabout, ok, ça c'est eux. Miam, parfait, ça c'est eux. Voilà. Allez, prends 1000 dollars. Je te paye quand même. Et pourquoi, mais attends, on va faire ça et toi tu gardes l'argent sur toi. Moi j'avais 2000, j'ai tout posé. Ah, mais. Tu savais que ça allait pas se passer comme prévu. Je vous souhaite un bon rétablissement et une bonne soirée, messieurs. Allez, ça va, ça marche, Herman. Au revoir. Merci, monsieur, bonne soirée. We'll be right back.